Bonsoir, nous, Bulletin Créole, pour ce mercredi le 6 novembre, nous commençons avec un grand titre. La compagnie Cable and Wireless Seychelles est officiellement et la compagnie 100% Seychellois. La police a commencé l'enquête d'un cas côté parents blessés enseignants pour l'école en Sopin bon matin. André Uzis, qui est une arrive de pays avec l'intention de passer devant la commission La Vérité, Réconciliation et l'Unité Nationale, il passe en cours pour l'offense de drogue et parmi les bonnes cas devant la commission aujourd'hui, complète famille des faits businessmen à son Ali. Mois mai et octobre, salonnais, il manque la pli une tombe plus que l'habitude. Nous avons le bon détail à présent. La compagnie Cable and Wireless Seychelles Limited est présent et la compagnie avec 100% propriétaire Seychellois. Ça, la compagnie qui papé sans son nom, il a acheté par un groupe business Seychellois pour valer 130 millions de dollars. Il est auparavant puis fonctionne par la compagnie Liberty Latin America. Bon nouveau propriétaire ça la compagnie, il dit qu'il travaillait pas pour gagner affecté avec sa changement. C'était bon matin qui m'a travaillé à la compagnie Cable and Wireless Seychelles Limited. Si j'ai informé qui c'est la compagnie, n'est plus tombé à la compagnie Liberty Latin America. Ça type des rencontres avec mon nouveau propriétaire. Et des masques qui d'après mon nouveau propriétaire, il commençait depuis 2017. Cable and Wireless Seychelles, pas pour sens son nom. Mon nouveau propriétaire seychellois, il groupe JFA, Jamshed Padiwala, Rabji Ragwani, Andy Bainbridge et Victoria Based Professional Services, SCM, représenté par Oliver Bastien. Zotinaste Salakopoye a une somme 130 millions de dollars financée avec l'aide plusieurs la banque. Zotin dit que l'opération la compagnie est ben travaillé pas pour gagner affecté avec sa changement qui Zotin décrit comme historique. Malgré ça, pour n'a pas compensation pour travailler suivant sa changement propriétaire. N'a pas aucune disruption le côté contrat qui man travailler il y en a avec Cable and Wireless Seychelles. Il n'a pas aucune disruption le contrat, il y a continuation. Il est important pour faire ressortir qu'il n'y a pas de plan nouveau owners pour faire aucune redundancy. Et aussi, il n'y a pas de plan, aucun plan ben, nouveau, de nouveaux owners pour faire aucun staff restructuring. So, pour ça, il est important qu'il y ait sa continuation et il est business as usual. Déjà, il y en a un cas contre le tribunal l'emploi qui le Cable and Wireless, ça s'appelle redundancy. Peut-être là qui est arrivé l'état in sense ownership. Naturellement, nous, we are well aware of it. Et nous aussi, we are, nous besoin comprendre qu'il manque quoi de case at the moment, il y a avec tribunal. Et naturellement, nous besoin respecter le système judiciaire, les autres faits de l'ouvrage. Mais qui manque quoi qui est plus important, de nouveaux owners. Et naturellement, we want, in terms of any of these issues, to be settled in terms of in an equitable manner and also in a fair manner. Cable and Wireless Seychelles a pour rester toujours en bas gouvernance son chef exécutif actuel, Charles Hammond. We have a wonderful opportunity now for self-determination. We have the opportunity to deliver to the people we understand in a way that they understand the services we provide. For the staff, this deal is just a continuation. Nothing changes. And of course, we will continue our internal dialogue with our colleagues. Bon représentant sa groupe nouveau propriétaire, il nous éclaircit certains doutes. Ça y aussi est, est-ce qu'il vraiment ça l'accompagne, il 100% Seychellois. Zotin dit que tout propriétaire est Seychellois, inclut Andy Bainbridge, qui est Seychellois naturalisé. Même son chef exécutif, Charles Hammond, est Seychellois naturalisé. La compagnie Liberty Latin America, qui déjà en est dette d'environ 16 millions de dollars stamp duty avec gouvernement Seychellois. C'est une liability pour Liberty. So, type pour Liberty. Mais seulement qui est important pour faire sortir avec aujourd'hui, qui nous fait cause de sa issue de sanction duty. Et ne font pas transaction
the owners have agreed to pay the liability. So the new owners will settle the bills? Yes. With the government? Yes, Mr. Bosser. Ban nouvo popouyete indi ki aloge ditan, zotan an plan pou vann environ 40% pa avèk man publik seseloa. Me pou le moman, zotan kopè travay lo ban prosedi. Zot indi ki Cable & Wireless Seychelles Limited yè la kompanyen profitab e ki zot bi se pou prezan amelyor kalite servis e prodwi sa la kompanyen. La polis fè fè l'enquête d'un cas kote un parent in blessé enseignant kote l'école primaire en soupin bon matin. Le SBC ti kote l'école en soupin après-midi nous ti apprenne ki sa maman ti entré dans la classe pour attaque sa enseignant, mais ni la polis ni ministère de l'éducation pandi pou ki raison il fè ça. Se pandi ki gravité blessé sa enseignant in ganyen, mais ministère de l'éducation in di dans un communiqué ki sa enseignant in gen blessé dans son la tête. Sa enseignant que dans 24 ans, il a besoin de soins médicaux pour son blessé et après gagner la guerre. Et ses parents, li, la police indique qu'il arrête li et questionne li. SBC apprend que sa maman est entrée dans la classe pour attaquer sa enseignant, mais ni la police ni le ministère de l'Éducation n'ont dit pour quelle raison il fait ça. Le ministère de l'Éducation a aussi dit qu'il n'a pas faire plus de commentaires ou sa cas, vu qu'il a l'emmené la police, mais il cependant sévèrement condamné sa bonne qualité d'action violente contre son bon travailleur et aussi bon étudiant. Sa maman, il a 41 ans et d'après sa qui SBC apprend, il a un salon coiffé en soupe. Un bon Simon qui exprime son intention pour venir devant la commission La Vérité, Réconciliation avec l'unité nationale, il a arrêté et condamné en relation avec drogue. Ça y André Gustave Usis, qui est resté en Angleterre. Monsieur Usis, qui a 48 ans, a retourné à Cécile tard mois passé avec l'intention d'aller devant sa commission. Mais officier ENB s'est arrêté aujourd'hui. Chairman Commission La Vérité, Réconciliation avec l'unité nationale, Gabriel McIntyre, ti di au commencement session après-midi ki commission pati konnen si ti an ay warrant pou arrete Monsieur Usis. The commission had been contacted by a Mr. Andrea Usis, who wanted to be a complainant before it. He was residing in the United Kingdom and advised the commission that he was concerned about coming back to the Seychelles because there may be an outstanding warrant for his arrest. The commission undertook to make inquiries to ascertain whether there was an outstanding warrant for his arrest, and those inquiries identified no such warrant. That communication was made to Mr. Usis, who then made the decision to return to the Seychelles. He returned about 11 or 10 days ago without incident, but he has now been arrested and taken before the court. The Commission would like to make it clear that it did not intend to mislead Mr. Usis, and the information it had was that there was no warrant. At the same time, the Commission would like to make clear that it cannot and will not interfere with the judicial process in this country. Et nous contacter l'agence qui lutte contre drogue ENB pour gagner plus l'information Lusaka. Les officiers ENB disent qu'ils ont arrêté Monsieur Usis contre son accord le 23 novembre 2017 en possession 89.2 grammes d'herbe cannabis et ils ont enregistré un cas contre lui pour l'offense liée avec drogue. Ils ont servi le saumon en avril l'année passée pour passer en cours. Il partit respecter sa saumon et il s'y quitte pays. Mais malgré ça, warrant pour arrêter l'île resté ouvert ici Cécile. Et ENB dit qu'après qu'ils ont appris qu'ils sont entrés dans le pays tard mois passé, ils ont tiré de lui et finalement arrêté lui aujourd'hui. Il passe en cours aujourd'hui même, côté une plaide coupable pour possession et que l'intention de trafiquer de drogue contrôlée. Il a été condamné un en prison, mais sa sentence est suspendue pour 10 ans et si pendant ça le temps il commet aucune offense liée avec drogue, il pourra faire son sentence un en prison. Pendant sa 10 ans, il n'a pas de droit à quitter le pays. En plus de ça, Monsieur Usis a condamné et l'emmène 8 000 roupies qui a besoin de payer dans un mois à partir aujourd'hui.
Famille défunt businessman Hassan Ali qui s'est disparu 10 après coup d'État, il décrit trauma émotionnel qu'ils ont passé à travers suivant son disparition. Ils fait ça devant commission La Vérité, Réconciliation et Clinité Nationale bon matin. Partner défunt Hassan Ali, Salitan, Carlette Paul et son garçon Sazal, il raconte sa commission qui m'aille Hassan Ali qui disparaît un soir en 1977. Devant commission bon matin, Madame Carlette Ball, tu racontais qui mangeait sa zou le 13 août vers 7h du soir. Monsieur Hassan Ali, tu as délivré un transport avec sœur Madame Ball, Madame Juliana Betsy. Il dit qu'après qu'il partit retourner, après plus qu'une quinzaine de minutes, qu'il s'est démasqué, s'est supposé prendre, tu as découvert son auto Saint-Louis avec la trace du sang là-dedans, un cartouche vide le site d'hiver, ensemble avec un père savate abandonné. Il dit qu'il même après plusieurs recherches, sur le panzan, mais voilà. Madame Bolin aussi décrit qu'il m'a dit qu'il a arrêté plusieurs mois plus tard, qu'il a questionné, après qu'il a mis dans la prison quelque chose qui t'a affecté lui mentalement. Il dit qu'après qu'il est sorti de l'hôpital, il a été détenu, c'est lui, avant qu'il a réarrêté et après forcé à en exil. During my 3 months staying at the prison, I found it hard to cope. As I was missing my 3 boys, who were constantly on my mind. Father died, and now I'm in prison, and always wondering what had happened to our son. The kind lady officer, very nice one, who was looking after us, allowed me to see my son through the keyhole of the door. I noticed that he was trying to look out for me, but for no avail. Garçon de FMC Hassan Ali, qui aussi donne commission et la liste suspect, qui n'a pas pas gagné de voir publiquement, qui dit qu'il croit qu'il connaît qui est arrivé sa jour. Il dit qu'après tout ça de temps, sa famille peut simplement rôder quoi qu'il arrive avec son papa. It's too late to, if people think we're seeking revenge, that time has passed because the culprit is in a concrete grave somewhere, isn't he? So, you know, at the end of the day, we just want closure. You know, we've not come here for anything else but closure. Après-midi, commission tino aussi appelé l'autre témoin, M. Donald Bertin, qui t'y paraît devant sa commission, mon passé, pour raconter qui t'y passait sa zo, qui M. Birajani t'y perdit son la vie. Commission t'y a envie d'une certaine clarification, le certain point qui M. Bertin t'y donné dans son premier déclaration, c'est tout position que t'y peut débout en relation avec M. Philippe Lucas, sa zo, côté Amri. M. Bertin a insisté qu'il tient fini de la commission, tout ça qui tient en pour dire la première fois, et il dit qu'il n'y a pas quoi, M. Lucas, tient quelque chose pour faire avec la mort, M. Jani. Moi, mon dimanche devant M. Lucas. Mon sobriquement, mon dimanche devant M. Lucas. Mon check M. Lucas, il peut aller devant moi. Pas moi qui suis devant lui. Le fusil à l'os épaules, comment il a fusil un bout devant lui? D'après l'évidence, M. Michel, il y en a juste deux personnes qui tiennent la physique avec autres. Ça soit avant le port de banque dans l'armée. Lucas tient la haine, ou qui libère lui tient la haine. Après. C'est tout qui. Monsieur, c'est juste ça, deux personnes qui tiennent la physique. Mais tiennent en plus physique. Ça veut dire ça que monsieur Michel dit. Il n'y a pas noir qui dit combien qui tiennent la physique de yo. Dans ces choses, la commission a aussi écouté témoignages de plusieurs autres personnes qui la commission a appelé pour venir clarifier certains points de la commission particulière. Octobre et mai, il y a des mois que la pluie tombe deux fois plus que l'habitude salonnée. Le bureau météorologique prédit que la pluie est pour plus que l'habitude de bon mois, là qui paye une entrée de la saison de la pluie. Pour la pluie qui tombe de milieu octobre, surtout dans la région de la misère intense, si s'y prend beaucoup de monde, côté qui fait un des dégâts, même si pas trop grave. Il s'y bloque la circulation trafic de ses mains après que la rivière s'y déborde. De l'autre entrée dans plusieurs cases et bâtiments et aussi fait débouler la terre. C'est la pluie qui tombe fort un seul coup et après arrêter un peu l'état plus tard, il n'est pas supposé arriver pendant sa période l'état de l'année,
d'après le bureau météorologie. Depuis le commencement de l'année, nous commençons à nous saison sec. Ça y est depuis mai jusqu'à octobre. Là, mi-octobre, normalement, nous étions secs. Ce qui nous a remarqué, c'est que la pluie, pas tous les autres publics qui ont boire la pluie, normalement, un peu plus haut que l'habitude. Ça veut dire que nous étions secs, plus ou moins un peu plus mouillé qui nous habitait à gagner l'habitude. Et là même là pour ça mois octobre aussi tout qui nous capable remarquer c'est que nous gagne beaucoup la pluie tout le commencement octobre. Normalement en octobre la pluie habite tomber il y a un peu plus que 200 mm mais cette fois-ci il tombe deux fois plus que ça quand il descend 550 mm. Ça y est aussi les cas plus bonheur en mai. À part des quelques îles de Tecoute quand la c'est la pluie moins que normal tous les autres mois la pluie plus que l'habitude. Bureau météorologie dit que c'est une occasion pas un phénomène que si face la mer, il vient plus sur que l'habitude dans l'océan Indien. Ce qui peut arriver dans la région de l'océan Indien, c'est qu'il y a un système qui s'appelle Indian Ocean Dipole. Et pendant ça l'année, ce qui nous remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus sur le côté ouest de l'océan Indien que l'habitude. Et ça qui fait qu'il y a beaucoup de convection qui fait des favorables pour nous donner beaucoup plus la pluie. Parce qu'on est capable de voir dans sa région l'océan Indien, même le reste de l'Afrique qui gagne beaucoup la pluie, surtout dans le mois d'octobre. À cause de ça qui a un système qui s'appelle l'Indian Ocean Dipole, qui a son pli haut positive phase qui nous a mis depuis 2006 en effet. Pendant cette année, il y a beaucoup plus haut. Ça veut dire que nous gagnons beaucoup plus la pluie, mais seulement graduellement, nous respectons qui pour commencer à descendre. Novembre, décembre, il est temps que le pays entre dans son saison la pluie, et là encore, la pluie pour continuer à tomber pendant le bon mois qui vient. Ça y parle des escavers, mais la CCL est entré dans son saison la sécheresse. Nos seasonal projections pour sa saison la pluie là, c'est qu'il pour plus ou moins normal, tout above normal. Ça veut dire même là, nous peut-être initialement là, qui m'a été, ça veut dire nous respectons qui plus ou moins nous pouvons gagner un peu plus la pluie qui normal. Well, pour 2020, pour Ayodi, respecter graduellement après réduire, ça veut dire nous respecter pour le moment là, n'a pas aucune indication, puis maintenant aucune abnormalité, ça veut dire nous respecter qui nous pour plus ou moins go back to the normal. Ça veut dire là, il commence à dire demain mai, respecter là qui nous entrer dans nos saisons secs, pas l'habitude. Gouvernement japonais il dit qu'ils ont pour continuer aide Cécile à l'avenir, c'est ambassadeur sa pays pour Cécile Hori Ryochi qui dit ça après qu'il fait donation et l'ambulance avec société La Croix-Rouge Cécile. Sa cérémonie se déroule côté station Lazenstein d'Ife avec sauvetage l'eau il Eve Bessetan Pralin. C'est l'ambassadeur Japon pour CCL, Hori Ryochi, qui remet la clé à l'ambulance avec le président de la Société de la Croix-Rouge, Kishina Tamatab, de présence membre de la Société de la Croix-Rouge, certains praninois parmi plusieurs invités. The new ambulance will also continue to benefit the Pralin community at mass public events, as currently the Red Cross is the sole provider of ambulance and first aid services at such events. Ça donne vient à travers fonds Grant Assistance for Grassroots Human Security Project, GGP, qui le gouvernement japonais a créé en 2015. I was so much impressed by the activities done by the Red Cross Society of Seychelles, and so I'm so happy to work with the Red Cross here for the more effective activities by them for the people on this island. Seychelles is still facing a different and various challenges, especially natural disasters and the health issues and other lots of challenges. So Japan has been working with the Seychelles government and people for the better life and the social and economic development of this country. So we will continue our cooperation for Seychelles. Ambassadeur Ryochi dit que relation bilatérale entre Seychelles et son pays est qui fort. Our bilateral relations are very cordial, very friendly. So I hope such existing friendly relationship will be promoted further and further in the coming years. To think
One song, if you like two songs, or three songs. San ambulance, y a une qui moderne, équipée avec plusieurs facilités. San ambulance, y est équipée avec bon équipement de base, pareil, non un trauma board, pareil, si nous peut suspecter dans du monde qui a spinal injury, non ça. Après aussi, nous avons bon first aid kits. Nous avons une instruction machine, pareil, si nous avons des gens, à cause des failles, pas juste nous qui pouvons servir, et nous avons des gens médicaux aussi. Nous avons un blood pressure apparatus, nous avons un first aid kit. Après aussi, nous avons un stretcher spécial, qui par exemple, si vous avez besoin d'airlift, airlift un patient, besoin d'hélicoptère, palmaé, nous aussi, nous avons ça l'équipement. So, he basically well equipped avec ça qui est l'ambulance qui est nécessaire pour un emergency. Il coûte $75,553 américains ou soit $979,700. Depuis 1989, le gouvernement Japon a plus de 140 pays en bas projet pour renforcer premiers soins et services pour intervenir en cas désastre ou soit catastrophe. Et nous rester avec la musique. Chanteur et compositeur renommé Eric Donaldson il arrive Sicile pour faire son spectacle la musique Traffic Jam. Bon organisateur, il dit qu'il y a tout quelque chose y paraît pour sa spectacle samedi qui pour faire écoute Mini Stadium. MC Donaldson il dit que ça est son troisième fois qu'il fait spectacle ici, un endroit qui paraît le pays qu'il est sorti et ça c'est Jamaica. Jamaican Seychelles, when I check it out, it's like the same thing, you know, the only difference is the accent of the people. When I come to Seychelles, it brings my mind back to a lot of the West Indian islands, where I have big support, a large crowd of people support me. Also, it reminds me of Brazil, and that's where I have another big crowd of people, a lot of fans support me very much. The first and second time I came here, it was okay. The crowd was all right. The people enjoyed the show. And I intend to give them not the same show, but a better show. Because every time you see Eric Donaldson, he's better and better and better and stronger. Well, I have songs like Traffic Jam, Cherry O' Baby, Land of My Birth, Sweet Jamaica, Play, Play, Play. Yeah? Yeah. Cinderella. The song, yeah. You know, I just love to have a taste and flavor of every type of music at times. The more time you mix songs on the stage, you get a good reaction. You can sing a Bob Marley, maybe sing a Gregory Isaac in between. Voilà, avec ça, nous terminons le bulletin. Merci pour qu'ils suivent.